Oui, alors cet après-midi, ce qu'on vous a présenté, ce qu'on a présenté à la presse et aux magistrats, c'est effectivement une grosse évolution, plus qu'une révolution, c'est une grosse évolution pour ce qui concerne la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie et notamment la lutte contre la délinquance par l'amélioration des moyens de police technique et scientifique sur ce territoire. Disons que dans cette évolution de police technique et scientifique, nous avons deux objectifs. La première, c'est de réduire le temps de traitement des traces et indices qui sont prélevés sur le terrain en améliorant les matériels et les process ici sur le territoire, nous évitant ainsi d'envoyer un certain nombre d'éléments en métropole. Et donc en raccourcissant, en faisant des analyses ici sur le territoire, on raccourcit les délais et donc on améliore la vitesse à laquelle la gendarmerie est en mesure de répondre à la délinquance. La deuxième évolution, c'est aussi se mettre en conformité avec des normes européennes qui ont évolué depuis 2009 et qui imposent à tous les laboratoires de police technique et scientifique, qu'ils soient publics ou privés, de se mettre en conformité avec des normes d'agrément d'ici 2015. On reste quand même inscrit dans le schéma général de la police technique et scientifique en gendarmerie, puisque même si on améliore ici la qualité du traitement, pour autant un certain nombre de traces et indices continueront à partir en métropole pour analyser. Mais avec cette amélioration de nos moyens sur place, on garantit que les prélèvements que nous effectuons sur les scènes de crime seront mieux conservés, mieux prélevés et donc mieux analysés. Alors en termes d'infrastructure, on a investi cette année sur ce budget de la gendarmerie, on a investi un peu plus de 50 000 euros pour la partie purement infrastructure immobilier dans la construction et dans la mise aux normes de ce laboratoire. En matière d'équipement, c'est aux environs de 150 000 euros, donc c'est quand même un effort très conséquent pour la gendarmerie nationale en Calédonie.